J'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il fut mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronne. Pour chasser les brigands. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. C'est pas du jeu, tu vas trop vite. Et là, Allons, pressons, pressons. Sauf votre respect, monsieur. La charge est lourde et toute cette neige n'arrange rien. Insolent. Oses-tu dire que je suis gros? Nous n'osons rien, monsieur. Nous portons. Eh bien, portez, portez. C'est pour cela que je vous paie. Ah, ah, une attaque de brigands. Filons. Mais poltron, revenez immédiatement. On n'est pas des brigands. On a faim, c'est tout. J'ai un petit gars qui est mort de froid. Il n'y a plus de bois dans Paris pour les pauvres. Mes amis, savez-vous au moins à qui vous avez l'honneur de parler? Je me nomme Montfleury, grand comédien de l'Hôtel de Bourgogne. Et je suis attendu au Palais du Louvre. Au Louvre? Eh bien, tu vas y aller à pied. Vous risquez la potence. Et toi, si tu nages pas quelques écus, tu risques de te faire embrocher. C'est vrai, vous avez vu comme il est gras. On pourrait te manger. Cannibale! Et maintenant, un peu de course à pied. Ça te fera maigrir. Lorsque le roi a reçu à Versailles l'ambassadeur de Turquie, il portait une perruque plus haute et plus bombée. Je la veux donc plus haute et plus bombée. Quant aux canons, le roi les aime assortis. Assortis. Et pour les rubans, monsieur Marchenoir, je crois savoir que le roi... Écoutez, faites comme vous croyez savoir. Monsieur Montfleury. Monsieur Montfleury. Mais que vous est-il arrivé? Un siège, vite, un siège pour Montfleury. Un attentat. Des brigands. On a voulu m'assassiner. Oh, Dieu soit loué, vous êtes vivant. Comment trouvez-vous mon nouveau costume? Votre costume? Fort élégant. Oh, Paris est un repère de misérables. Eh oui, l'hiver n'arrange rien, mais c'est à Versailles qu'il faut aller, mon cher, à Versailles. Versailles? Mais quelle folie! Ah, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais au troisième rang, non loin de Monsieur Colbert, et lorsque le roi est passé...
Le roi vous a parlé ? Pas cette fois-ci, mais j'ai senti comme un regard qui en disait long. Un petit rien, je l'ai senti. Justement, puisque vous voilà bien en cours... Oh, vous me flattez. Non, non, tout l'indique. Oh, mais non, mais non. Et je compte sur votre obligeance pour faire parvenir au roi cette lettre. Une lettre, ma foi, en passant par mon ami le duc de la Feuillade. Et qu'y a-t-il dans cette lettre ? La vérité sur Molière. La stricte vérité. Intéressant, mais encore. Vous savez comme moi que Molière a osé se marier avec Armande Béjart. Il a 40 ans. Elle en a 20. C'est une infamie. J'appellerais plutôt cela une erreur. De jeunesse ou de vieillesse, comme vous voudrez. Mais vous n'ignorez pas que cette jeune Armande est la sœur de Madeleine qui fut la maîtresse de Molière. N'est-ce pas une horreur ? Ma foi, c'est surtout un malheur pour cette pauvre Madeleine. Monsieur Marchenoir, je vous trouve bien indulgent tout à coup. Entendons-nous bien. Molière est toujours mon ennemi, et si cela ne tenait qu'à moi, à cette heure-ci, il jouerait la comédie dans une prison. Mais le roi en a décidé autrement. Fort bien. Vous refusez donc de porter cette lettre ? Bien au contraire, je m'en ferai un plaisir. Mais voyez-vous, mes hautes fonctions auprès de Monsieur Colbert m'obligent à faire comme si, par exemple... Quoi ? Comme si j'aimais l'école des femmes. L'école des femmes ? Mais vous divaguez ! Avec cette pièce de théâtre, Molière est en train de se noyer ! De tous côtés, on l'attaque ! Il ne fait rire que les imbéciles ! Montfleury, un peu de prudence. Oubliez-vous que le roi a beaucoup apprécié. Hélas ! Hélas, le roi a perdu le goût des belles œuvres. Mais non, mais non. Molière est à la mode, voilà tout. D'ici un an ou deux, on l'aura oublié. Mais un grand tragédien comme vous, Montfleury, mais c'est une gloire éternelle. Oh, vous êtes trop bon. Non, je suis clairvoyant. Allez, séchez-vous près du feu et faites-moi confiance. Le roi lira cette lettre. Allons, vous là, présentez-moi votre collection de chapeaux. Pendant que Marchenoir va montrer ses plumes à Versailles, nous, Angèle, à quoi ça sert de surveiller le gamin ? Ne discute pas les ordres, Pouillard. Le comte de Verville peut à tout moment tenter de reprendre contact avec le gamin. Le comte de Verville ? Mais ça fait des mois qu'on n'entend plus parler de lui. Justement, méfiance. Tiens, Pouillard, je vais te distraire un peu. Est-ce que tu as déjà vu un âne qui fait du patin à glace ? Sur le pas, attention ! Et tu trouves ça drôle ? Eh bien, pas moi. Attends, je vais vous aider. Il nous le paiera. Le chassieux est un imbécile, viens nous aider. Faire l'âne avec vous ? Non, merci. Je vous laisse. Maudit singe. Tu vas voir ce que je fais. Merci, Pouillard. Et pour la peine... Oh, non, non, surtout pas d'argent. Non, c'est une entrée gratuite pour aller voir l'école des femmes ce soir. Ah
Ah ouais? L'école des femmes? Eh bien, merci, ça me fait rudement plaisir. Montre-moi ce qu'il t'a donné, montre-le-moi. Monsieur, on m'invite au théâtre. Au théâtre, toi? Mais tu vas faire fuir le public, le pauvre idiot. Tu n'as vraiment rien dans le crâne. Et comme chaque soir, au théâtre du Palais Royal, la représentation de l'école des femmes faisait applaudir les uns et hurler les autres. Quel joli tintamarre. Quel joli tintamarre, vous ne trouvez pas? Vive Molière! Taisez-vous, pauvre sot! Cette pièce est une honte! Les femmes y sont traitées comme des oies! C'est un scandale! Bravo! Vive Molière! Moi, monsieur, j'ai été spécialement invité par l'auteur. Mais faites-le taire, Edmond! Faites-le taire! Pouillard, qu'est-ce que tu fais ici? Et ce chapeau, où l'as-tu volé? Mais, monsieur Marchenoir, je l'ai pas volé, je l'ai acheté à votre tailleur qui m'a conseillé. Je t'interdis de fréquenter mon tailleur. Je t'interdis d'aller au théâtre, tu sais à peine écrire. Allez, disparais, ma vue. Alors, monsieur Marchenoir, comment trouvez-vous l'école des femmes? Ah, monsieur Racine, bien, je sais que vous êtes un grand ami de Molière. Cela ne vous empêche point de me dire le fond de votre pensée. Ah, ma foi, le fond, ah, c'est intéressant. Quoi? La pièce ou le fond? Les deux. Quelqu'un de la plus haute importance désire vous parler. Excusez-moi, monsieur Racine. À bientôt. Oh, j'en ai assez. Vraiment assez. Vous avez bien raison, l'ami. Il y en a assez de ce Molière. Mais non, imbécile. J'en ai assez de la police. Vive le théâtre! Vive Molière! Bravo! Bravo! Marchenoir, vous êtes un homme de plus en plus influent. Oh, monsieur le duc de la Feuillade, vous me faites trop d'honneur. Alors arrangez-vous pour faire interdire cette pièce. Il faut obliger Molière à quitter Paris. Mais vous savez bien que le roi... Justement, il faut ouvrir les yeux de sa majesté. J'ai de nombreux amis. Les frères Corneille, tous les comédiens de l'hôtel de Bourgogne et l'archevêque de Paris. Monseigneur l'archevêque a entendu dire que Molière écrivait une nouvelle pièce qu'il appellerait Tartuffe, une horreur contre les dévots. L'archevêque est avec nous. En ce cas, je ferai de mon mieux. Voici quelques écus qui vous aideront à faire encore mieux. Cocher, en route! Dans l'ensemble, je n'ai qu'à vous féliciter pour votre jeu. Il n'y a pas eu ce soir de ces petits temps morts qui me chagrinaient tant hier au soir. J'ai quand même bien failli trébucher sur une de mes répliques. Mais vous l'avez fort bien sauvée, mademoiselle Lebris, et je ne regretterai jamais de vous avoir confié le rôle d'Agnès que vous jouez tout en nuance. C'est ce que tu appelles la maturité. Oui, cela ne s'improvise pas. Est-il tout de même permis à la petite mademoiselle Molière, jeune épouse du grand Molière... Armande, ne recommence pas. ...de faire une petite remarque. Dans ta pièce, Agnès a 20 ans, c'est-à-dire mon âge. Mademoiselle de Brie a certes beaucoup de talent, de la maturité, mais... Mais dites tout de suite que je suis beaucoup trop vieille. Je n'ai rien dit, Catherine. Un jour peut-être, mademoiselle Molière, vous prendrez ma place. Mais en attendant, sachez tenir la vôtre. Catherine! Bonsoir.
le théâtre. Vive le théâtre. Vive Molière. Pouillard. Vous m'avez fait peur. Je ne voulais pas. Je voulais remercier Monsieur Molière pour son invitation. Mon invitation? Quelle invitation? C'est moi qui lui ai donné une entrée gratuite. Bien méritée pour une fois. Voilà, je voulais aussi vous dire que je quitte la police. J'en ai assez de tous ces complots contre vous. Pas plus tard qu'aujourd'hui, Montfleury est venu trouver Marche Noire avec une lettre adressée au roi, où il vous accuse du pire. Et c'est pas tout. Asseyez-vous, Pouillard. Vous allez tout nous raconter. Ah oui, mais c'est terrible. Terrible ce qui se trame contre vous. Et en quelques semaines, la querelle de l'école des femmes fit le tour de Paris. Demandez la muse historique, un fort joli compliment sur l'école des femmes du cher Molière. Demandez la muse historique. Un torchon, ouais. Vous voyez donc un peu mon gros lard de mari grâce à Molière. Il a enfin compris que les femmes étaient point des pécasses et il supporte point. Dernière fois, Pouillard, tu reviens dans la police. Sinon... Et sinon quoi? Eh bien, sinon, tu connais le châtiment réservé aux traîtres. On commencera par te brûler les doigts de pied, bien sûr. Marche Noire a vraiment dit ça? Ouais. Et ensuite, on a parlé du supplice de la roue. Non. Tiens, voilà du nouveau. Je suis le duc de Langsley, un ami du comte de Verville, qui est toujours exilé à Londres. Voici une lettre pour son épouse, la comtesse. Vous pouvez me faire confiance. J'irai moi-même à Versailles. Police du roi, je vous arrête. Commencez par vous battre. Nous verrons ensuite ce qu'il en sera. Pouillard, qu'est-ce que tu attends? Arrête, Quentin! Ah oui, c'est une idée. Prenez mon cheval, Quentin. Pouillard, arrête le gamin! Il est déjà parti, il est trop tard. Imbécile. Ton tour maintenant. Non, ne vous dérangez pas. Je vais prévenir Marche Noire. En cette année 1663, les grands travaux de Versailles, entrepris autour de l'ancien château de Louis XIII, battaient leur plein. Et sous la direction de l'architecte Levaux, ils durèrent environ 10 ans. Sire, que pensez-vous des derniers plans? Je ne les trouve pas encore à la mesure de ce que j'imagine. Songez, monsieur Levaux, que Versailles doit pouvoir accueillir au moins 15 000 courtisans. Il faudra bien 250 appartements. Nous ferons selon les désirs de votre majesté. Vous comprenez, monsieur Colbert, ce que je veux, c'est attirer toute la noblesse de France à Versailles. Je leur accorderai des privilèges. Ils me remercieront et comme cela, ils ne penseront plus à comploter contre moi. Vous saisissez? Ce château est glacial. J'espère, Louise, que tu n'as pas froid. Un peu, mais on s'y habitue. Et puis la lecture de l'école des femmes me réchauffe le cœur. Cette Agnès est si drôle. Madame, un jeune garçon est là qui désire vous parler et il désire être... Quentin!
Louise! Un gamin avec un singe. En effet, il m'a dit que la comtesse de Verville l'attendait. Je crois qu'il s'agit d'un petit comédien pour un spectacle. Comédien, oui. Et il vous a bien berné. Mère, ce sont de bonnes nouvelles ? Oui, ma chérie. Ton père se porte bien. Il pense à nous tous les jours. À Londres, il fait très froid. Laisse-moi passer ou je te fais bastonner. Marche noire. Que signifie cette intrusion? Donnez-moi cette lettre. Ah, toi, je crois bien que tu vas te retrouver dans une de mes prisons et jusqu'à la fin de tes jours. La reine! Eh bien, marche noire, voilà bien de mauvaises manières dans mes appartements. Que votre majesté me pardonne. Mais Madame de Verville dissimule une lettre qui contient peut-être un nouveau projet d'attentat contre le roi, votre fils. Madame, montrez-moi cette lettre. Je jure que... Ne jurez pas. Il n'y a pas de secret pour la reine. Vous avez bien de la chance, madame, d'avoir un mari qui vous manifeste autant d'amour et de fidélité. Quant à vous, Marche Noire, retirez-vous. Vous n'avez plus rien à faire ici. Et quelques jours plus tard... Le roi! Montfleury, on m'a transmis de votre part une lettre du plus mauvais goût, et je n'en dirai pas davantage. Ah, monsieur le duc de la Feuillade, je trouve que l'air de la cour vous donne mauvaise mine. Vous devriez prendre quelque repos. Monsieur de Molière, je suis content de vous voir ici. De mauvais querelleurs ont cru bon d'attaquer votre école des femmes, et je le déplore. Pour votre bel esprit, je vous accorde une pension de 1000 livres. Monsieur, tant de bonté. Il ne s'agit point de bonté, monsieur de Molière, mais de votre grand talent. Madame de Verville, comment vous portez-vous? Sire, comme une femme que votre majesté n'a pas daigné regarder depuis un an. Continuez comme vous le faites de lire la Sainte Bible à madame, ma mère, et vous gagnerez mon pardon. Un an plus tard, Molière et Armande Béjart eurent un enfant et Louis XIV accepta aussitôt d'en être le parrain. Il répondait ainsi de manière définitive aux calomnies de Montfleury et à tous ceux qui avaient orchestré la querelle. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris et pour la vie entière, il est fut mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Et quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied de nez, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin. L'histoire d'un paladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses paladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les... Du roi soleil au mousquetaire.
Molière, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo.